À 24 ans, Alphonse Areola est désormais un gardien comblé, même si pendant longtemps sa carrière au PSG s'est écrite en pointillés. Des prêts à Bastia, Lens ou encore Villarreal, un rôle de doublure mal vécu derrière Sirigu puis Trapp, mais les qualités d'Areola ont finalement permis au gardien formé au club de s'imposer aux yeux de son coach Unai Emery. Il a le talent individuel et il a la capacité pour grandir. Et aussi, nous avons parlé beaucoup des choses qu'il peut améliorer. Mais il a une chose, il a la capacité. Après, c'est vrai que tous les joueurs ont besoin de la confiance, le travail. Parti dans la peau du numéro 2, Areola a profité des erreurs de Trapp l'été dernier pour s'emparer du poste de titulaire, laissé au soir d'une bourde contre Lille l'an passé. Depuis, les stats prouvent qu'Areola est passé devant le gardien allemand. Avec plus d'arrêts, moins de buts encaissés, le gardien des Bleus semble incontournable. Plus mature, il assure avoir appris de ses erreurs. Après, c'est vrai que la saison passée, j'ai vécu une saison assez difficile. Mais chaque saison est différente. Donc j'ai appris de mes erreurs et j'ai continué à travailler, rester sur ma lancée depuis le début de saison. Désormais installé, Areola doit confirmer, notamment en Ligue 1, où il peut encore se montrer plus décisif. Cela tombe bien, mercredi, c'est le Celtic et la Ligue des Champions. Une compétition où Alphonse Areola n'a toujours pas pris le moindre but cette saison.